Notre travail de bachelor porte sur les interventions infirmières auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle dans le cadre d'un milieu hospitalier. L'article permet de déterminer si les soins de santé physique sont équitables pour les patients présentant une déficience intellectuelle en se concentrant sur leurs admissions à l'hôpital. Cet article est une revue systématique. Les recherches ont été effectuées dans 6 bases de données, MBase, Medline, PsychInfo, Web of Science, Cochrane, Database et NICE Guidelines. Cette recherche confirme que les personnes ayant une déficience intellectuelle connaissent des inégalités considérables en matière de santé, un taux d'admission plus élevé à l'hôpital, ainsi que des différents motifs d'admission par rapport à la population générale. Par exemple, une étude a démontré un taux d'hospitalisation de 79% lors des 5 premières années de vie des personnes ayant une déficience intellectuelle contre 48 personnes de la population générale.